Bonjour à tous et bienvenue au dernier live de la semaine de l'atelier École éphémère du cinéma pour clôturer cette édition du Festival de court-métrage de Clermont-Ferrand 2021. Et pour terminer la semaine en beauté, nous avons la chance d'être en direct depuis l'École cantonale d'art de Lausanne pour une masterclass avec l'actrice, réalisatrice et scénariste Noémie Lovski. Oui. D'accord. C'est pas du tout repos ici. Hein. On est bon? Ouais. Bonjour à toutes et tous. On a un tout petit peu. On va commencer dans quelques instants. On est encore un tout petit peu. On attend encore Noémie qui doit venir, mais je meuble en attendant qu'elle arrive pour saluer toutes les personnes qui nous rejoignent à travers l'atelier du Festival du film de Clermont-Ferrand. On est tout à fait. On aurait dû y être. D'ailleurs, une partie des étudiants et étudiantes qui vont à Clermont-Ferrand devraient être là et nous suivent aussi en live parce que, comme vous le savez, enfin, comme partout, évidemment que l'écale est partiellement ouverte, c'est-à-dire qu'une partie des cours s'y donnent et une partie des cours se font à distance. Ce que vous êtes en train de voir en ce moment ici, c'est un cours qui se donne à distance avec une partie des étudiants et étudiantes de master et de bachelor qui sont malgré tout présents dans cet endroit très très beau dans lequel on est. On est au City Club à Puy, qui est une salle de cinéma en Suisse à Lausanne, dans la banlieue est de Lausanne, qui est une salle d'arrêt d'essai très connue, reconnue, qui reprend d'ailleurs aussi souvent des courts-métrages, des choses qui sont présentées ou qui ont reçu des prix à Clermont-Ferrand. Et qui nous accueille gentiment, puisque comme tous les lieux de culture, ben, en Suisse, tout est fermé depuis le mois de décembre, et que les salles de cinéma se languissent, et les gens qui les animent se languissent de pouvoir à nouveau accueillir du public, et qu'on a gentiment accepté leur invitation à venir ici. On est déjà venu quelques fois pour donner des cours ici dans cette salle de cinéma, ne serait-ce que pour ne pas perdre l'habitude d'être dans une salle de cinéma, ou en tout cas en avoir la nostalgie, et on s'était dit que c'était une bonne occasion d'organiser ce live et cette discussion avec Noémie Lvovski, ici, depuis ici, depuis Puy. Alors, à quoi vous allez assister cet après-midi ? Ça ressemble beaucoup à ce que vous pouvez vivre quand vous êtes au Festival du film de Clermont-Ferrand, puisque le principe de ces ateliers, c'est toujours, ou ça a toujours été dans les années passées, d'inviter un réalisateur ou une réalisatrice à venir à Clermont-Ferrand accompagner les étudiants de l'école, à passer une semaine avec eux pendant la durée du festival et à pouvoir évidemment profiter des projections et tous les soirs de la compétition, des rétrospectives que le festival organise, mais aussi durant la journée d'être dans les ateliers de Clermont-Ferrand et de pouvoir mener un atelier autour de la direction d'acteur. Et habituellement, ces ateliers se menaient avec le conservatoire de Clermont-Ferrand d'art dramatique. C'était aussi l'occasion pour les étudiants de Lausanne de rencontrer des étudiants et étudiantes qui venaient d'une autre école avec une autre pratique et donc de passer avec eux une semaine. Alors il y a pu avoir des invités toutes les années des types de cinéma et des invités très différents. Ça a pu être Antonin Perret-Jacquot, Camille Vidal-Naquet sur les dernières années, Vincent Dietschy au départ. Enfin voilà, des gens qui viennent vraiment de tous genres et horizons du cinéma et on leur demandait de venir avec un projet et de mener ce projet avec une vingtaine d'étudiants. Alors évidemment, cette année, ce n'était pas possible. L'atelier en fait, qu'on devait faire à Clermont-Ferrand, il va être fait plus tard avec une autre école partenaire en Suisse, dans la partie italiophone de la Suisse, au Tessin. Mais ça, ce sera pour le printemps, quand on aura le droit de se réunir à plus nombreux et nombreuses. Mais on trouvait dommage que pendant la période du festival de Clermont-Ferrand, il n'y ait pas malgré tout quelque chose qui soit de l'ordre de la collaboration avec ce festival-là. Et nous avons proposé à Noémie Lvovski, réalisatrice évidemment vous connaissez et dont vous connaissez le travail et vous aimez sans doute les films, de venir échanger quelques jours avec des étudiants et étudiantes ici à Lausanne.
quelques jours, deux jours, très exactement. Et malgré le fait qu'il faut maintenant des tests PCR pour rentrer en France, sortir de Suisse, et qu'il faut bientôt plus de papiers pour passer une frontière dont on n'avait plus l'habitude de connaître d'existence qu'à l'époque quand on devait aller en Allemagne de l'Est et qu'il fallait 4 heures pour passer la frontière. Mais enfin bon, je parle d'un temps que tous les étudiants ici à l'école ne connaissent pas, le bloc de l'Est et l'Europe avant la libre circulation. Ce que vous allez voir au début de ce petit moment qu'on passe avec Noémie Lvovsky, c'est la fin en fait de l'atelier qui se mène depuis ce matin, où il y a eu évidemment une suite de discussions avec Noémie, et puis un petit travail de direction d'acteur autour d'une scène, et je la crois que je la vois arriver. Voilà, c'est parfait. Mais non, on va pouvoir commencer. J'étais en train de parler aux gens qui nous rejoignent, Noémie, donc viens tranquillement avec ton thé. Je disais en fait qu'au départ, on va d'abord voir les petits exercices, le dernier groupe qui passe, qui était un exercice de travail de direction avec les comédiens et comédiennes, et que ça ressemble beaucoup en fait à ce que vous voyez quand vous êtes à Clermont-Ferrand et que vous passez dans les ateliers, où les gens qui passent, ben, ils prennent un petit bout comme ça de la discussion et du travail en cours. Et donc, c'est ce que vous allez voir au début, avant qu'on discute ensemble avec Noémie. On va voir le dernier groupe qui passe. Et donc, je vais les laisser venir sur scène. Et je te demande, le seul truc qu'il faut qu'on fasse, Nomi, c'est quand tu leur parles, c'est de bien prendre ton micro pour que les gens qui ne sont pas dans la salle nous entendent. D'accord. Alors, c'est le groupe de Samuel qui passe, hein, c'est ça ? Ouais. Et je laisse juste le micro sur la table, comme ça on vous entend un peu, vous, quand vous jouez. Et voilà, Noémie, paf. Mais en fait, on va tout de suite leur laisser la place, non ? Oui. Hein ? Bonjour. Vous la reconnaissez ? Voilà, elle est là. Caméra. For real. Je ne fais jamais de trucs... de visio. Mais tu vois, là, c'est vraiment très simple parce que... Allez, on laisse... je descends ici et je laisse... Oui, et donc, je voulais dire, évidemment, les personnes qui sont dans la salle, c'est-à-dire les quelques étudiants et étudiantes de l'école qui sont dans la salle, vous pouvez évidemment poser des questions, même pendant le fait, comme ce matin, hein, même pendant le fait qu'on est retransmis, vous levez la main. Moi, je reprendrai juste votre question en haute voix pour que les gens qui ne sont pas là l'entendent. Donc, vous continuez à poser des questions comme si de rien n'était. Et pour les gens qui nous suivent et qui veulent poser des questions à travers le live de Clermont, vous pouvez le faire. Moi, j'ai un écran à côté de moi et je relayerai vos questions. Par contre, ne vous excitez pas si je ne le fais pas immédiatement, c'est que comme on discutera, je ne vais pas interrompre tout le temps pour reprendre des questions qui arrivent, donc j'essaierai de les intégrer dans la discussion. Donc si jamais je ne réponds pas immédiatement à votre question, ne vous découragez pas, vous pouvez tapoter sur la boîte de discussion qui est à côté. Lionel, est-ce que tu as expliqué d'où vient ce petit exercice ? Tu dis-le alors peut-être. Alors reviens juste devant pour le dire, ouais, Noémie. Ouais, volontiers. Le petit exercice, vraiment tout petit exercice qu'on a commencé à faire ce matin avec deux groupes et qu'on va faire maintenant avec un troisième. C'est improvisé hier lors d'une discussion avec les étudiants scénaristes, réalisateurs en master qui se posaient des questions sur... de façon comme ça, un peu générale, comment travailler avec les comédiens. Et on s'est dit que pour aider un comédien à jouer, une bonne chose est d'avoir déjà joué soi-même. Et peu importe, jouer bien ou mal, peu importe. Mais en tout cas, d'avoir... éprouver un tout petit peu de ce que peut être le trac, le fait de se donner à voir, de se donner à des spectateurs, que ces spectateurs soient un réalisateur ou une réalisatrice, des membres de l'équipe ou des spectateurs de théâtre. Pour moi, il n'y a pas grande différence. De s'offrir à une caméra. Bon, là, après cet exercice, on le fait sans caméra. Mais... Et de sentir comment ça se passe avec un texte. Quand, par exemple, on a le trac, on est persuadé de savoir parfaitement son texte, et puis on a le trac et on le perd. Ou alors... on est persuadé de savoir parfaitement son texte, et puis il se passe quelque chose de vrai dans la scène, de tellement vrai
qu'on est saisi et on le perd. Enfin voilà, expérimenter des petites choses comme ça, enfin des petites choses pas si petites d'ailleurs. On se disait hier lors de notre discussion que ça pouvait être la meilleure façon de pouvoir se mettre à la place d'un acteur. Alors on a improvisé, c'était pas du tout prévu. On s'est dit tiens, ben on va essayer à partir de la première scène du Misanthrope de Molière. Enfin pas toute la première scène, mais un bout de la première scène, le tout début entre Alceste, le Misanthrope, et Philinte. Et puis les étudiants de l'école. Certains, en tout cas, parce qu'on n'a pas le temps de faire autant de groupes que d'étudiants. Certains vont jouer et d'autres vont diriger. On a commencé ce matin avec deux groupes et là, on poursuit avec le troisième. Et puis après, on fera une discussion avec Lionel. À tout à l'heure. Je ne sais pas comment c'est possible, si vous pouvez, parce que c'est bien qu'on vous entende aussi, c'est aussi intéressant. Les micros sont posés, là. Pardon, je vais... Il me semble que pour nous, c'est, enfin, vous me dites ce que vous en pensez, les étudiants, c'est aussi intéressant de voir la personne dirigée que de voir ce qui se passe pour les apprentis comédiens. Donc peut-être pour que les gens qui sont à Clermont-Ferrand puissent vous voir. Ah. Voilà. Ben, oui, mais où est-ce qu'ils vous voient? Vous mettez sur le plateau. Moi, je mets sur le plateau. Ouais. Et surtout, peut-être quand vous avez fini, on fera le truc. Ouais. C'est pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un temps, on peut... Oui, vous savez, une demi-heure. Ouais, une demi-heure. Oui, non, mais je veux dire qu'ils vous entendent diriger. Ça marche pas. Okay. Vous sentez comment? Vous voulez la faire direct ou vous voulez d'abord faire une italienne pour mémoriser le texte parce que ça fait longtemps du coup? Mais non, on fait direct. Allons-y direct. Laissez-moi, je vous prie. Enfin, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi, vous dis-je. Et croyez vous cacher. Il ne faut pas se fâcher. Enfin, on entend les gens d'abord. Eh bien, moi, je veux me fâcher. Je ne veux point entendre. Votre grand chagrin, je ne le comprends pas. Quoi, Camille, je suis le premier. Moi, votre ami, prenez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce que de vous j'ai pu apercevoir, je vous le dis, je ne le suis plus. Et je ne veux nulle place dans un cœur corrompu. Ok, du coup, c'est un par rapport au gobelet par exemple. D'abord, toi tu la prends, ensuite elle vient de te shipper. Toi, quand on parlait d'animal tout à l'heure, toi t'es un serpent. Tu vois, je veux que tu sois souple, que tu ailles chercher dans tes gestes quelque chose de beaucoup plus souple. Et j'aimerais bien que cette fois-ci tu fasses en italien. En italien? En italien, ouais. Non, c'est-à-dire vraiment dans ta langue natale, dans ta langue natale, pour voir comment ça sort plus. Mais maintenant, j'ai appris le texte en français, je ne sais pas si je peux te traduire. Ok. Comme tu le sens, on essaye, si ça sort, sors-le comme ça sort. Moi, je veux juste que tu as cherché quelque chose qui vienne naturellement, pas que tu viennes réciter du par cœur. Tu vois ce que je veux dire? Et après, j'aimerais bien faire un peu une petite folie.
ça serait limite, on s'écarte pas du texte, on garde le même texte, mais ça serait plus chanté en fait. C'est-à-dire qu'on garde à peu près les mêmes tempos dans vos gestes. Comment dire ? J'aimerais, tu vois, par exemple, prends le temps de poser les choses, tu le regardes d'abord, tu poses la question, comment ça va ? Il te répond pas. Tu lances l'objet, il répond toujours pas, alors ça t'énerve un peu, tu te rapproches vers lui, tu lui reposes et tu rentres dans son intimité. Tu viens chercher, tu viens poser ton regard, tu viens insister ton regard, tu viens te poser vraiment, limite tu viens fixer son nez, tu viens te poser tes yeux devant ses yeux quasi, mode comme ça, genre, tu vois, genre regarde-moi quoi. Et voilà, donc d'abord on essaie cette fois-ci dans ta langue natale et après j'aimerais bien qu'on la fasse un peu en chantonné. Chantonner, ça veut dire comment chantons. Ouais, exactement. Ma cos'hai? Dimmi un po' cos'hai. Laissez-moi, je vous prie. Ma dai, dimmi. Cosa c'è che non va? Laissez-les-moi là, vous dis-je. Et allez vous cacher. Ma non c'è bisogno d'arrabbiarsi. Moi je vais me fâcher. Je ne veux point entendre. Guarda, proprio non riesco a capire la tua sofferenza. Moi, votre ami? Difficile, c'est ça de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce que de vous j'ai vient d'apercevoir, je vous le déclare, je ne le suis plus. Et je ne veux nulle place dans un cœur corrompu. Super, je trouve moi déjà beaucoup mieux. Au début, fais quelque chose, genre, en fait, quand tu joues, tu as direct ton objectif, c'est lui, et tu vas directement dans ton objectif. Et ça, en soi, ça va trop vite, en fait, laisse le temps. Toi, tu as quelque chose, par exemple, tu travailles, tu as ton ordinateur, tu travailles, tu fais d'autres trucs, tu vois, tu vis, tu as une vie à côté, ta vie là, actuellement, c'est pas genre, forcément cet homme. C'est-à-dire que lui, t'interpelle parce qu'il tape du pied, ça t'énerve, et tu vas le voir, tu vois. Et après, il y a un peu cette tension toujours entre vous de rapprochement et d'éloignement, tu vois. Vous avez encore oublié cette fois-ci le café? Ah, c'est compliqué à gérer, honnêtement. Ça marche. Mais le plus important, c'est que ça sorte. Si vous le sentez que là, ça peut venir, faites. Sinon, tant pis, c'est pas très grave. Là, au moment, ça va, tu vois, tu prenais l'espace, c'est super. À la fin, t'es resté stoïque, tu vois. C'est-à-dire que tu savais plus quoi faire. En fait, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté un peu mouvant. Là, le serpent, tu l'avais beaucoup plus, par exemple. Quand tu vas le chercher, à la fin, laisse d'abord, tu vois, tu parles, ensuite ton corps vient vers lui, et c'est à la fin où vraiment, tu veux être en fusion avec lui, et lui, il te prend la main, il t'enlève, toi tu tournes, là il dit la réplique finale, il se casse, et toi c'est vrai que t'es un peu penaud, quoi, à la fin. Voilà, et... Je peux dire quelque chose ? Bien sûr. Oh non, je connais pas votre prénom. Victor. Oui. Victor hier. Oui. Mais c'est Victor sans masque, pardon. Oh là 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 là. Non non non, il y a pas besoin. C'est que Victor a l'air de trouver qu'il y a des trucs compliqués. Ouais. Bah il faut l'écouter tout de suite et faire quelque chose qui l'aide. C'est pas, en fait, c'est pas. Enfin, pardon, je vais dire un truc, mais c'est pas du tout par rapport à vous. C'est en général. C'est que les acteurs, c'est tout sauf des marionnettes. C'est pas du tout des marionnettes. C'est des gens qui ont un cerveau aussi gros que ceux des réalisateurs et réalisatrices. C'est des gens qui ont une pensée du film qui est aussi, bon, qui est pas celle du metteur en scène, mais c'est quand même des gens qui, au bout du bout du bout du bout, après toute la préparation, après tous les repérages, les décors, les costumes, le découpage, machin, ils sont pas là, d'accord. La recherche de financement, bon, ça vient avant. Mais tu vois, c'est eux qui font le plan. C'est eux qui font le plan. Quand ça tourne, c'est eux qui font le plan.
Avant, c'est vous. Mais le temps du plan, c'est le chef op, c'est le cadreur aussi. Mais c'est le cadreur et les acteurs. Et c'est un truc vachement important pour pas... Pour pas se, c'est pas ce que vous... Enfin, vous n'avez pas pris Victor et sa comparse. Pardon, je connais pas le prénom. Valentina. Pour des marionnettes. Mais on a une tendance à ça. Parce qu'on veut des trucs de la scène. On veut des trucs de la scène. Donc on dit alors là, tac, 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 tac. Mais si un acteur dit... Alors, c'est un peu compliqué à gérer. Eh ben, soit il faut en prendre le temps d'en discuter avec lui, soit il faut le comprendre tout de suite et proposer des solutions. Ou par exemple, quand Valentina, vous dites à Valentina de faire des choses, de faire des choses avec ses mains, et ben il faut lui apporter des accessoires. Il faut les aider tout le temps. Parce qu'au bout du bout, c'est quand même eux qui vont faire le plan. D'accord ? Pardon, chute. Dès qu'il s'agit d'acteurs, moi je commence. Des accessoires, on en trouve, il y en a plein partout. Ouais, c'est vrai. Ah, je peux dire que... j'aime beaucoup les jets, le fait qu'elle aille dans son espace. Et peut-être que j'imagine de Alceste et qu'il est... Comme action, qu'il puisse avoir un geste de révulsion, d'être touché comme ça, comme c'est pas rien d'être touché. Je sais pas, je le vois comme ça le personnage. Ok. Ton écharpe, par exemple. Ouais, non, pas comme ça. Mais en tout cas, ce serait quelque chose où tu pourrais. Je réfléchis, toi. Quelque chose où à la fin, tu pourrais plutôt y jouer avec, c'est-à-dire l'enlever, limite. Et te reposer, genre comme si ça t'étouffait. À la fin, cette réplique, elle t'étouffe et tu l'enlèves. C'est un peu, peut-être comme un peu un geste de colère, on peut essayer. Est-ce que vous sentez cette fois-ci de le faire en chantonnant ? En chantant ? Ouais. On peut essayer, ouais. Essayez, de toute façon, c'est pas grave, on s'en moque, on est oui. Entre nous. On va essayer. Sauf que on ne voit pas et on les voit. Ouais. C'est pas nous qui sommes dedans. Merci. j'ai confiance. Je chante. Donc, ok, j'essaye. D'accord, mais chacun dans son rôle. Toi, t'es dans ton bureau, tu t'appelles, t'es énervé. Toi, si tu travailles. Laissez-moi, je vous prie. Laissez-moi là, vous dis-je. Et courez-vous cacher. Eh bien, moi, je veux me fâcher et je ne veux pas entendre. Guarda, io la tua sofferenza non la capisco. Io sono tua amica, io per prima dovresti... Moi, votre ami, priez ça de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce que vous, j'ai aperçu, je vous le dis net, je ne le suis plus. Et je ne veux nulle place dans un cœur corrompu. Ouais, c'était super. Trouf. On a encore le temps ou ouais. Vous me dites stop hein, parce que c'est la dernière. Là, c'est la dernière et j'ai pas le droit à l'erreur. Ouais.
Ok. Si, si, si. Jamais. C'est une répétition, c'est pas pour. C'est trop tard, Noémie. La caméra tourne quand même. Ah ouais, bon, c'est pas là. Ça, c'est pas une. C'est un machin. Et même si elle tournait, vous auriez le droit à l'erreur. En plus, oui, c'est vrai. Même si on était au cinéma et qu'elle était en train de tourner pour de vrai, vous avez le droit à l'erreur. C'est une prise. J'ai une question à vous accueillir. Est-ce que ça vous aide si vous connaissez l'espace où vous vous sentez et peut-être la situation en relation de vous meilleur? Alors la question, c'est de savoir si ça vous aiderait, je répète pour les gens qui ne nous entendent pas, hein, ce n'est pas parce que vous avez mal parlé, c'est ça aiderait si vous connaissiez l'espace dans lequel vous êtes et la situation psychologique entre vous deux, en fait, c'est ce qui vous relie. C'est ça, Léopold? Oui. Oui. Ouais, oui, pour moi, ça permet en tout cas après d'interpréter, quoi, de pouvoir projeter ce qu'on imagine de la scène. Et ça, vous en avez parlé avec Samuel? Bah on a essayé de fixer déjà des choses un peu plus précises au niveau des lieux. Après, c'est vrai qu'au niveau des personnages, on sait juste ce qui se passe dans la scène pour l'instant. Mais non, on avait parlé quand même un peu de notre relation. que je t'avais trompé ou quelque chose avec ton ami, non? On avait parlé un peu de ça. Non, moi, j'ai pas compris ça comme ça. J'ai compris que c'était une des idées, mais que c'était pas. Ah, okay. Moi, j'ai un peu gardé ça. Ok. Ouais, non, mais garde ça. Après, c'était plus une, c'était plus un exemple parmi tant d'autres, mais il y avait toujours cette relation entre vous de je suis moi, je te suis, et c'est un peu cette tension de voilà, entre c'est à la fois très à la fois pulsionnel, un peu colérique, et aussi très sensuel. Et à chaque fois, il y a un peu ce côté de il y en a un qui suit l'autre et l'autre après il fuit, etc. Plus dans cette relation-là, plus que l'histoire un peu de tromperie ou ce genre de choses. Et à la fin, là, ton écharpe, tu vois, c'était super. Il y avait quelque chose, il y avait du mouvement, il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, ne cherche plus à le regarder à la fin. Ça te rend très triste, en fait. Genre, qui te parle comme ça et qui agisse comme ça, ça te. Tu regardes par terre, tu vois. Ensuite, au début, avant de lancer, par exemple, l'objet, d'abord, tu lui poses la question. D'abord, je pose la question. Ouais. En fait, le geste, c'est-à-dire que c'est pour qu'il te regarde, c'est pour que tu vas lui chercher l'attention chez lui. Mais avant d'aller chercher l'attention, il faut que déjà tu lui aies parlé et que tu vois que tu es ignoré. Et à partir de là, bah, tu l'obliges. Tu veux l'obliger. Et lui, du coup, ça le renferme encore plus et ça l'énerve. Et toi, parfois, tu peux juste la regarder, tu vois, marquer un silence quand elle te parle. Et là, bam, en fait, toi, elle, on disait que c'était un serpent, et toi, t'en es le venin, par exemple. Tout ce que tu vas sortir, tous les trucs, ça fait mal. Ça va faire vraiment là où ça fait mal, ça pique, c'est tranchant. Tes paroles sont vraiment tranchantes, tu vois. Okay. Et tu vois, dans ton jeu, t'as l'ordinateur, etc. T'as le pied, mais après, par exemple, le pied, à un moment, tu peux l'arrêter, tu peux même arrêter l'ordinateur, tu peux le fermer, peut-être, et regarder plus, être avec elle. Pas dans le sens où, du coup, là, d'un coup, t'es super pote avec elle, mais en gros, corporellement, même en l'ignorant, bah, y a sa présence qui t'affecte. Tu vois, par exemple, elle t'a touché, tu t'es révulsé, tu l'as enlevé, ce genre de choses. Okay. Est-ce que ça te parle? Ouais, faut voir en pratique aussi, mais je pense que ça aide en tout cas un peu mieux à fixer la situation. Ok. C'est moi, je vous prie. Dai, dimmi un po', cos'hai? Non fare lo strano. Laissez-moi là, vous ai-je dit. Et courez vous cacher. Ma non c'è mica bisogno di arrabbiarsi in questo modo. Bah moi je vais me fâcher. Je ne veux point entendre.
tu e la tua sofferenza proprio non ti capisco. Io poi sono tua amica, dovresti almeno a me. Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres, mais après ce qu'en vous je viens de voir, je peux vous le dire, je ne le suis plus. Je ne veux nulle place dans des cœurs corrompus. Rentre ton micro qui est de ce côté. Merci Victor et Valentine. Vous pouvez regagner. Et Samuel, merci beaucoup. Ouais. Merci. Samuel. Je me dis qu'il y a une. Je m'habitue pas. Non, j'enlève moi. J'enlève le mien. C'était juste pour me. Ah oui. Tu veux le masque ? Non, on est assez éloignés. C'était juste pour donner le bon exemple. Non, mais il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose et il s'est passé quelque chose de très. Je vous remercie beaucoup. Il s'est passé quelque chose de. Enfin, vraiment, c'est quand Samuel a demandé à Valentina de parler dans sa langue maternelle. Et je me dis, si on a envie d'essayer de tirer des mini choses de ces mini exercices pour lesquels il n'y a pas, voilà, il faudrait prendre beaucoup plus de temps et tout, mais il se passe vraiment des choses, même en peu de temps, il se passe des choses. Et quand Samuel a demandé à Valentina de parler dans sa langue maternelle, et ça vous avez dû sentir ça, Valentina, non? Ça a complètement changé, non? Et oui, je me dis que c'est bien, en tout cas pour les gens qui, pour les réalisateurs, les réalisatrices qui écrivent, qui ont envie de travailler à partir de dialogues qu'ils auront écrits, et plutôt qu'à partir d'impro, eh ben, il faut que les dialogues deviennent, et non seulement la langue maternelle de l'acteur ou de l'actrice, mais ses propres mots. Et pour ça, il y a des tas de chemins possibles, mais c'est vraiment important que les mots, ça peut être d'avoir répété ces mots-là des dizaines et des centaines de fois, sur tous les tons, en parlant, en chantant, en chuchotant, voilà, ou complètement à plat. Ça peut être de les avoir écrits. Il y a des acteurs qui écrivent le texte, ça les aide à se l'approprier, ça peut être un milliard de choses, mais voilà, quand on est scénariste et réalisateur, juste de savoir que ça va pas de soi pour un acteur et pour une actrice de faire sien le texte d'un autre. Mais par exemple, là, quand même, quand ils ont joué, je me suis dit, bon, quand il a demandé, par exemple, de chantonner, je me suis dit, ils sont quand même très. Je suis toujours surpris à quel point les acteurs sont d'accord. Enfin, si tu veux, ils sont très généreux, hein, parce qu'ils ne sont pas acteurs. En plus, c'est deux réalisateurs, réalisatrices, réalisateurs. Tu dis, tu chantonnes, voilà, bah, c'est pas filmé. Mais enfin, bon, il y a quand même des gens qui les regardent, puis il y a la caméra, machin. En fait, les acteurs, souvent, ils acceptent. Hein. Et toi, tu as l'impression que ce truc de limite, jusqu'où est-ce qu'on peut demander quelque chose à un acteur? Est-ce que c'est nous qui devons mettre les limites, par exemple, comme réalisatrice ou comme réalisateur? Ou est-ce que dans le fond, ça doit être open bar et c'est à eux de décider? Et comment c'est pour toi, par exemple, en tant qu'actrice et puis en tant que réalisatrice? Tu te dis, je peux les pousser jusqu'au bout, c'est pas mon affaire, c'est à eux de me dire si jamais stop, ou tu te mets une limite à un moment donné? Oh, bah c'est intéressant, dis donc, je m'étais jamais posé la question. Pardon. Comme réalisatrice? Par exemple, comme réalisatrice, ouais. Comme réalisatrice, je me dis que. Qu'il y a une étape qui est une étape de que les acteurs et les actrices sachent à quel point je les aime et que de toute façon mon regard sur eux sera bienveillant. Après, on sait, un tournage, ça peut être épuisant, ça peut être
ça peut rendre nerveux, ça peut, voilà, c'est pas forcément toujours doux, mais ça doit être forcément toujours bienveillant. Et ça les acteurs doivent le sentir et le savoir et en être absolument certain avant le début du tournage, dès la préparation. Et après, les limites, ben, c'est chacun, chacun se met les siennes. Moi, ce serait quoi la limite Oui, je me souviens, j'ai un exemple assez concret qui a fait passer. C'était des adolescentes, je travaillais avec des adolescentes qui n'avaient jamais joué. Mais on avait déjà, enfin, on avait beaucoup répété. Et puis le jour des essais caméra est arrivé, et elles étaient là, elles jouaient. Bon, il n'y avait pas de prise de son, c'était les essais caméra. Mais je leur demandais quand même de jouer certaines scènes qu'elles connaissaient déjà, et j'étais catastrophée, vraiment catastrophée. Je me disais, mais en fait, dès qu'il y a une caméra, il n'y avait jamais eu de caméra, ça devient épouvantable. Et puis j'avais très peur parce que j'allais leur demander de jouer des choses. Elles n'avaient jamais joué, j'allais leur demander de jouer des choses, de jouer un premier baiser par exemple, alors qu'elles avaient elles-mêmes jamais embrassé un garçon, enfin pour trois d'entre elles. Et je sais que les faux baisers au cinéma, ça me gêne. Donc est-ce que j'allais oser leur demander un vrai baiser et pas un baiser de cinéma? Enfin, un baiser de cinéma au sens un faux baiser, quoi. Et voilà, j'allais leur demander des choses comme ça. Un moment où les filles se battaient physiquement. Elles se battaient dur, quoi. Et donc, après ces essais caméra, je leur ai dit, je peux pas, j'ai pas votre âge, j'ai le double, même un peu plus du double, et donc je vais pas jouer le rôle. J'étais pas actrice en plus à l'époque. Mais par contre, je ne vais rien vous demander que je ne serai pas prête à faire moi-même. Et ça, ça peut ne pas être formulé, mais que des comédiens sachent que on n'a pas un regard de voyeur. On a un regard bienveillant, d'une part, et ensuite que ce qu'on demande, on sait ce qu'on demande. Voilà, si je demande à une jeune fille d'embrasser devant une caméra un garçon, et en sachant que c'est la première fois de sa vie qu'elle embrasse un garçon et que c'est devant une caméra, si elle sait, si elle sent, bon, moi ça aurait pas été la première fois de ma vie, mais et personne rigole. J'ai souri. Mais voilà, qu'elle sache et qu'elle sente que je serais prête à le faire, actrice ou pas actrice, hein, puisque je faisais pas l'actrice à l'époque. C'est vachement important. Et tout à l'heure, par exemple, je sais pas, quand je regardais Léopold travailler, je sentais que, bon voilà, c'était lui le metteur en scène. Donc il mettait en scène, mais il mettait en scène il aurait été prêt à jouer. Peu importe que ce soit bien joué ou mal joué, hein, c'est pas la question. Mais c'est qu'on sent un regard qui n'est pas un regard qui surplombe, qui n'est pas un regard de voilà, j'ai des marionnettes entre les mains et je les agite. Ce qui n'empêche pas de dire, bah, s'il te plaît, va de là à là, et je fais ce geste, et lève le bras gauche. Et comme actrice, tu dis toujours oui? Alors, comme actrice, on peut m'emmener loin, 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 loin. Mmh. Mais quand c'est pas que je dis jamais non, mais il y a des choses qui résistent. Mais c'est pas une résistance parce que je suis pas d'accord ou parce que je trouve que ça va trop loin. C'est quand ça me paraît faux. Voilà, quand ça me paraît faux, c'est juste parce que j'arrive pas à le faire. Et donc, je préfère faire complètement, enfin proposer en tout cas, complètement autre chose. Mais après, je crois que c'est très important. C'est vrai que quand on est acteur, on arrive et voilà, et on est comme ça. Enfin, je ne peux pas faire avec l'autre bras, mais on est vraiment comme ça.
Et après, quand on réalise, il s'agit de savoir que même quelqu'un qui est comme ça continue à avoir des pensées. Enfin, voilà, c'est pas juste, on n'est pas des juste uniques, comme je m'inclus dans les acteurs, mais on n'est pas juste des espèces d'objets émotionnels. On n'est pas juste de la pâte à modeler, quoi. On est le plus souple possible. Et puis, mais on continue à penser. Et je crois d'ailleurs, moi, que la caméra voit beaucoup, beaucoup les pensées. Je pense qu'elle voit absolument tout, qu'elle voit mieux que nous sans caméra. Enfin. Et que les pensées comptent beaucoup, et qu'on peut, par exemple, être... Là, si on pense à la scène d'Alceste et Philinte, dans le Misanthrope, en fait, en vrai, dans la vie, on peut penser qu'on déteste le monde, et puis penser aussi à ce qu'on va manger à midi. Ça n'empêche pas. Et tout ça, il faut que ce soit... Que les choses soient suffisamment ouvertes et larges pour le metteur en scène, pour les acteurs, entre eux, pour que ça puisse arriver. C'est-à-dire, on a à jouer « Je te hais ». Là, je ne te hais pas du tout, bien au contraire, Léopold. Non, mais ça ne veut pas dire qu'on peut dire à quelqu'un « Je te hais » et penser à... Ah, j'aimerais bien avoir des draps en lin plutôt que des draps en coton. Parce qu'on a pensé 3 jours avant qu'on le haïssait, puis ça sort ce jour-là. C'est clair ? Si, si. Mais en fait, parce que ce que tu dis, c'est peut-être la deuxième partie de ma question, quand tu disais par exemple que t'es assez ouverte à plein de choses tant que c'est vrai, malgré tout, pourquoi c'est différent que dans la vie ? Par exemple, t'es quelqu'un de pudique, hein, et t'es tout à fait prêt à être très, entre guillemets, impudique, ou à te montrer, non, tu vois, quelque chose qui n'est pas toi à l'écran. De la même façon, en fait, quand on est réalisateur, parce qu'on joue aussi un rôle, on est sur un plateau, on a cette fonction de réalisateur ou de réalisatrice. Il y avait une étudiante qui écrivait quelque chose sur le fait d'être timide dans la vie, et comment est-ce qu'on peut ne pas être timide sur le plateau alors qu'on est timide dans la vie. Qu'est-ce qui autorise, quand on joue et quand on réalise, à devenir autre chose que ce qu'on est ? C'est le regard du réalisateur ou de la réalisatrice. C'est qu'on est pris dans un regard de bienveillance, de désir, de bon désir. Et on est porté par ce regard. Et du coup, on est dans une position et dans une situation qui permet d'être absolument généreux, sans avoir à se méfier, parce qu'on a eu des petites expériences dans la vie de générosité qui était un peu, enfin voilà, de petites déceptions ou de mini trahisons ou grandes d'ailleurs, qui font que on a rarement la possibilité d'être absolument généreux, sauf quand on est porté par le plaisir et par l'amour, même sous toutes ses formes, hein, je veux dire, et ça peut être un amour vache aussi, c'est pas grave ça. Et par la bienveillance de toute façon d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. C'est le désir de la personne qui autorise. En fait, tu as l'impression que ça permet. Ouais. C'est que du coup, ça ne vient pas uniquement de toi. Tu dis, je le fais parce que tu as envie de le voir et que ça me fait plaisir de te le donner à voir. Mais il faut que la personne en face de toi donne vraiment l'impression qu'il faut que ça se passe. C'est ça que tu entends par que ce soit crédible. Ce n'est pas uniquement une crédibilité de scénario, c'est que ce soit dans le désir de quelqu'un, c'est ça ? Oui, oui. Est-ce que tu pensais au film d'Alain Guiraudy en parlant de... Pas seulement, mais tu viens de tourner dans le prochain film d'Alain Guiraudy que personne n'a encore vu, mais dans lequel tu joues, à part toi. Ouais. Tu t'expliquais effectivement, dans la vie, tu es plutôt quelqu'un de très pudique. Dans le film, il se trouve que pour plein de raisons, il y a des choses qui sont même, je ne crois pas qu'on puisse dire impudiques, mais qui sont des scènes de nudité, par exemple. Parce qu'un pudique, ce n'est pas le bon terme. Assez cru, oui. Parce que le cinéma d'Alain Guiraudy est très pudique, en fait. Il est très pudique. Oui, mais il est frontal. Très frontal, mais c'est très pudique. Hein. Mais ça, par exemple, quand tu dis, tu lis le scénario et tu te dis, ouh là là, mais bon, moi, dans la vie, jamais je ferai un truc pareil, ou peut-être je le ferai, mais je voudrais que personne ne voit. Et qu'est-ce que tu fais qui te dit, bah oui, bah, avec Alain Guiraudy, je suis d'accord. Alors, c'est bien parce que c'est un exemple concret. Le film d'Alain Guiraudy, c'est-à-dire que je connaissais ses films et je lis le scénario et enfin je connaissais ses films et j'avais très 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 envie de travailler avec lui, vraiment très envie parce que j'aime et j'admire infiniment ses films. Et puis je lis le scénario et même avant que je le lise, mon agent
était là, un peu embêté, en même temps, enfin bon, c'était un peu comme ça, comme ça. Et dans le scénario, il y avait des scènes de nudes, de sexe, et connaissant les films d'Alain, il a un rapport au corps assez unique, je crois, dans le cinéma. C'est-à-dire que pour lui, des corps qui font l'amour, bah, c'est très simple, c'est très frontal, il n'y a rien de voyeur, il n'y a rien d'esthétisant, donc il n'y a rien d'embelli non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas... Et c'est comme manger, quoi, c'est simple, c'est vraiment simple. Mais du coup, les plans, ils sont... Ouais, c'est un regard droit, quoi, sur les corps. Et quand Alain m'a proposé son film, j'avais très, très, très... Enfin, j'avais hyper envie, et je lui ai dit oui, tout de suite, oui. Il dit, mais il y a quand même deux questions. Il y a la question de la disponibilité, donc ça, je lui ai dit que je me rendrais entièrement disponible. Et puis la question alors lui, il appelle ça les scènes physiques. Et je lui dis que je ne pouvais pas lui répondre que l'actrice, spectatrice que je suis était tout acquise et que par contre, l'actrice que je suis, j'ai jamais eu l'expérience de ça. Et comme tu disais, c'est-à-dire que dans la vie, même seule chez moi, je ne me balade pas toute nue. Même toute seule avec les rideaux tirés, les volets tirés, ça, mon réflexe, c'est de prendre un tissu et de me couvrir. Donc je disais à Alain, je ne sais pas comment je vais réagir quand le jour de tourner ces scènes arrivera, les jours arriveront, je ne sais pas, peut-être que je vais faire comment on appelle ça pour les chevaux, un refus d'obstacle. Ouais, ouais. Voilà. Mais par contre, je suis tout acquise, je suis tout à toi, j'aime tes films, j'aime chaque plan de chacun des films, donc... Voilà, et quand c'est arrivé, ça avait été très très bien pensé et travaillé par Alain, avec lui seul, et puis avec sa chef-op, avec son script, qui était aussi son collaborateur artistique. Le premier assistant était très 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 délicat, et puis ça s'est fait, et Alain a dirigé la scène comme il aurait dirigé une scène de dialogue tout habillé, quoi. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a pas grande différence. Et du coup, j'étais prise par ce regard-là. J'étais comme... lui, il peut regarder quelqu'un nu comme il regarde quelqu'un habillé. C'est pas... Pour moi, c'est assez différent dans la vie. Si quelqu'un est nu, c'est vraiment pas pareil s'il est habillé. Mais pas pour lui. Et c'est aussi la beauté de son regard. Enfin, une des beautés de son regard. Et donc voilà, je l'ai fait comme ça. C'est après que j'ai... Et puis après... Réfléchi. Non, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, oula. Et puis après, enfin voilà. Et puis quand j'ai vu le film, ça n'a même pas été une question. C'est parce que le film est tellement bien que c'est le film qui l'emporte. Loris, c'est une question. Je vais la répéter pour que tout le monde l'entende, mais allez-y. Des désirs de faire des scènes, d'explorer certaines choses que vous jouerez du coup par la suite, ou si c'était vraiment un film et après c'est vous et puis vous jouez. Alors, comment se passe la place quand Noémie écrit pour elle-même? Est-ce qu'elle écrit en fait en sachant évidemment qu'elle va jouer dans le film, mais qu'elle décide d'explorer pour elle des choses dans le jeu et donc qu'elle écrit pour, en sachant qu'elle va jouer? Vous me dites si je me trompe, Loris, ou si est-ce que tu écris le rôle et après tu te dis que tu vas l'interpréter sans te poser la question de savoir que c'est toi qui vas le jouer dans le film? C'est à peu près ça? Non? Si? Oui? Oui? Et la deuxième question? Ouais, réponds déjà à la première et puis vous reformulez et je donnerai la deuxième. Ouais. Alors non, je n'écris pas pour moi.
Enfin, d'ailleurs, j'ai fait plusieurs films, et sept, je crois, et j'ai joué dans deux seulement. Hein. Donc, ce n'est pas une habitude de jouer dans mes propres films. Comme il se trouve que c'est les deux derniers, on peut facilement croire ça, mais c'est pas... Voilà. Et non, j'écris pas pour moi. Et en même temps, vous disiez, est-ce que vous vous mettez dans les personnages ou dans le personnage que vous écrivez ? Je me mets dans tous les personnages. Et je pense que les... Enfin, après, tu nous diras, toi, Lionel, mais j'ai l'impression que quand on écrit, on est tous les personnages, d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, quand je joue, j'en parlais hier, j'ai remarqué que, quel que soit le rôle, vraiment quel que soit le rôle, toujours au bout du bout et au fond du fond, je crois, je sens, je me dis de façon plus ou... Voilà, c'est pas toujours, c'est plus ou moins conscient, mais il y a un endroit de moi qui a envie de jouer le metteur en scène et qui sait qu'au fond, au fond, on joue le metteur en scène. Je crois que c'est même ce qu'il y a de plus plaisant, c'est de se projeter dans des corps qui ne sont pas du tout soi. Enfin, c'est très agréable. Je ne sais pas si c'est la même chose pour tous les scénaristes. C'est les scénaristes qui sont en scénario, en master, en BA, pourrait le dire. Mais c'est ça qui est grisant, c'est de se dire, je suis une vieille dame de 86 ans ou je suis une petite fille de 4 ans. Et comment est-ce que je réfléchis comme une petite fille de 4 ans ? Quand tu disais se mettre, c'est même le plaisir de se projeter dans pas soi, en fait, dans tout ce qui n'est pas soi, j'ai l'impression. La deuxième partie de votre question, Loris, c'était... Est-ce que le désir de jouer prévaut à l'écriture d'une scène, dans le fond ? Est-ce que le désir de jouer une scène ? Non, le désir de la voir jouer, mais pas forcément le désir de jouer. Et puis après, enfin, ça rejoint ce que disait Lionel à l'instant. Après coup, on peut se rendre compte que c'est un tel après coup, une fois le film terminé, je sais pas, c'est un tel bonheur de jouer des choses qui sont pas soi, comme tu dis, et soi aussi. Mmh. Et ça ouvre à quelque chose de à quel point on est vaste, à quel point on est multiple, à quel point on n'est pas réductible. Et d'autant plus, je vais peut-être me barrer dans des trucs un peu mystiques, mais enfin mystiques, pas de Dieu, mais c'est-à-dire que je trouve qu'on est beaucoup soumis à l'injonction d'avoir une identité, d'une identité déclinable très très vite. Alors c'est l'obsession des origines ou l'obsession de la sexualité qu'on a, hétéro, homo, ou c'est oui, l'obsession des origines, elle est immense. Donc c'est, et alors du on, et c'est, ça nous enfin, moi, je ressens très fort d'être tout le temps sous l'injonction de devoir me définir. Et puis, quand on se retrouve à faire du cinéma, par exemple, à écrire des personnages et à les mettre en scène et à les jouer, alors là, c'est formidable parce qu'on peut s'ouvrir à non, on est, comme tu dis, on est une petite fille de 4 ans, on est aussi une petite fille de 4 ans. Pour Camille Redouble, je suis... en fait, j'ai aussi 15 ans. Ça se voit pas, mais en vrai, j'ai 15 ans, peut-être. Enfin, voilà, on peut se faire des voyages dans le temps, on peut... Et ça nous libère de... Ça nous libère tout court, et puis ça libère, je trouve, de cette injonction tout le temps de... Et alors, quel pays, quelle origine, quelle nationalité, quelle sexualité, quelle... Ah, tu dois pouvoir résumer en deux mots qui tu es. Oh là 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 là. Bon. Alors, il y a une question qui rejoint un peu celle-ci, puis qui rejoint celle que nous pose PSK, qui est en Corée du Sud, mais qui nous écoute et qui nous regarde. En Corée du Sud, ouais. Et qui disait effectivement, alors ça revient un petit peu à ce qu'on a dit au début, les acteurs ne sont pas des marionnettes. Vous dites, mais quelles sont les limites du metteur en scène ou de la metteur en scène par rapport à eux? Et même quand on est scénariste,
En fait, quand tu écris, est-ce que tu te dis, oulala, un jour je vais devoir la réaliser, est-ce que je suis capable de demander ça à des acteurs? Ou quand tu écris, tu ne te poses pas cette question. Tu écris et tu verras bien après. Je me pose tout le temps la question. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas seulement est-ce que je suis, quand j'écris, c'est pas seulement est-ce que je suis capable de demander ça à des acteurs, c'est est-ce que je suis capable de ça. Et puis après, c'est le désir de la scène qui l'emporte. Mais tout le temps, tout le temps. Par rapport aux acteurs, par rapport à au filmage, par rapport à la production, tout le temps. Mais par exemple, si tu devais te, tu vois les scènes que tu as dû jouer dans le film de Guéraudy, tu te vois toi les réaliser ou tu te dis non, mais ça moi comme réalisatrice je serais incapable de le faire, mais comme actrice je peux. Bah, c'est-à-dire que comme réalisatrice, je sais pas si c'est dans le terme de, capable ou pas, c'est que je n'ai pas ce regard. Je l'admire, je l'aime, et je l'admire ce regard de, d'Alain sur les corps et sur le sexe. C'est un rapport tellement simple, tellement débarrassé de, je radote un peu, mais de, débarrassé de tout voyeurisme, de tout romantisme même. Et c'est un rapport simple, ce qui fait que dans ses films, en tout cas dans les films que j'avais vus de lui, j'avais vu tous ses films avant celui-là, qui s'appelle « Viens, je t'emmène », parce que celui-là, je peux pas dire, parce que je suis partie prenante, mais c'était, j'étais toujours saisie et dans une espèce de, d'heureuse surprise, de joie de ce qu'il filme des corps... pas dans l'inconnu du lac, par exemple, il filme des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir, et de voir nu, le corps, je sais pas, d'un homme de 50 ou 60 ans qui est rond, hein, qui a du ventre, bah, il le filmera de la même façon qu'il filmera le corps d'un jeune homme de 25 ans. Parfaitement bâti selon les canons de beauté. C'est, voilà, c'est un regard simple, un corps, c'est un corps et il est presque aimé d'être un corps, quelle que soit sa forme. Ça, j'ai une admiration et un amour pour ça et même une gratitude pour ça, une gratitude de spectatrice inouïe. Après, j'aimerais arriver, moi, à ce regard-là, mais je l'ai pas, donc je vais pas me faire croire que... Pourtant, il y a une forme de bienveillance sur les corps dans ton cinéma aussi. Ce que j'entends de bienveillance, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de rendre des formes diverses, de leur trouver leur beauté propre à elles. C'est quelque chose qu'on remarque vraiment dans ton cinéma. Oui, oui. Mais en fait, là, tu as raison. Enfin, j'espère, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que j'ai envie de voir... Enfin, déjà que je n'ai aucun critère physique. Aucun. Au moment du casting. C'est-à-dire que quand je pense à des personnages, je pense à leurs sentiments, à leurs états, à leur situation. Mais je ne pense pas, tiens, ça serait bien que ce personnage, il mesure 1m85 et celui-là, 1m65. Mais c'est jamais. C'est jamais. Même peut-être pire que ça, enfin pire dans le bon sens, mais il y a même une méfiance, j'ai l'impression, dans le casting, sur une sorte de beauté évidente. Tu vois, tu parlais, quand on est venu, tu parlais du casting de ton prochain film. Tu me disais les noms des acteurs, et je me disais, c'est drôle à quel point c'est hétéroclite. Et en fait, aucun de ces acteurs ne pourrait être pris en tant que tel pour une bombasse. Chaque fois, tu te disais, ah oui, tiens, et en même temps, tous ces gens sont très beaux. Je repensais à eux en me disant, c'est vrai, tous ces actrices, ces acteurs sont des gens très beaux, mais ça serait pas une série Netflix, quoi. Aucun d'entre eux serait dans une série Netflix pour faire la belle fille ou le beau garçon. Il y a même, et en repensant après à ta filmographie, je me disais, c'est vrai que les films, même quand il y a l'amoureux, la personne qu'on aime, le garçon que tout le monde regarde ou que la fille que tout le monde regarde, je me dis, c'est toujours des beautés un peu comme s'il y avait une méfiance d'une sorte de beauté trop évidente. Ah, il y en a peut-être une, mais ça vient de... Enfin, non, mais les gens, ils ont le droit d'être beaux aussi. Enfin, je veux dire, dans les films, après, ils sont très beaux. Tu vois, dans les films, ils sont très beaux. De toute façon, oui, après, je vais dire des poncifs. La beauté, c'est dans le regard de celui qui... dans les yeux de celui qui regarde, dans les yeux, dans le cerveau de celui qui regarde, en vrai. Après, c'est vrai qu'on n'est pas, entouré de ce discours-là, ni de ces images-là. On est quand même encore très entouré
de beauté qu'on nous impose. Et puis ce que tu dis, c'est pas une décision de ma part. Je me dis pas, tiens, je vais aller vers des gens qui répondent pas au canon de beauté classique. Je pense que c'est un rapport très intime et profond que j'ai à la beauté classique qui vient de l'enfance. Enfin, je crois que très 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 jeune, on est dès la cour de récréation à la maternelle ou peut-être à la primaire, on est à la primaire. T'as entendu, j'ai eu l'accent. Quand t'es à Lausanne, tu commences à prendre l'accent. dès l'école primaire, dès le CP, je crois. Je sais pas si vous avez le CP. Enfin, la première. C'est l'école primaire, ouais. Ouais, l'école première enfantine. On a 5 ans ou 6 ans. Ça va très très vite. Les choses physiques, il y a des catégories comme ça. Alors pour les filles, encore plus, je crois. Je ne suis pas sûre d'ailleurs, je ne sais pas. Mais il y a les belles, les moches, les moyennes. Les moches et les moyennes, elles sont au mieux, elles sont les bonnes copines. Et les belles, ma génération, quand j'étais moi à l'école, c'était criant. Et comme je ne faisais pas partie de la première catégorie, je m'identifie plus facilement à ceux qui n'en font pas partie non plus. Et voilà. Mais c'est une sympathie comme ça pour les. Mais j'ai aussi de la sympathie pour des gens qui répondent au canon de la beauté. Oui, mais du moment qu'ils ne se comportent pas. En fait, c'est. Pardon. Ouais. Vas-y. Non, en fait, c'est une façon de. C'est pas la question des traits ou du corps ou de la forme du corps. C'est la. Par exemple, j'ai connu des hommes très 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 beaux qui n'avaient aucune conscience de leur beauté, et du coup ils suscitaient une émotion. C'était très émouvant, voilà. Ou des femmes très belles qui vraiment ça leur passe là. J'ai plus connu ça chez des hommes que chez des femmes, parce qu'il y a une peut-être une plus grande obligation de beauté pour les femmes, et que du coup j'essaie d'en avoir conscience, peut-être de pouvoir, et puis aussi c'est un truc dont on peut se servir. Voilà. Il y a la même méfiance sur la célébrité. Il y a la même méfiance sur le nom qu'il porte. Tu vois, dans une discussion, on disait, c'est, ah bah oui, alors évidemment, il a un nom, alors ça va aller. Il y a une sorte de méfiance comme ça sur l'idée de se dire d'être autorisé. Des gens qui sont soit autorisés par leur beauté, soit par leur statut social. Et donc, ils sont autorisés à faire des trucs. Et j'ai l'impression que les personnages chez toi, mais aussi peut-être, c'était drôle dans la façon dont tu parlais ce matin aux réalisatrices, aux réalisateurs, de dire un peu toujours, faut pas que le réalisateur se sente trop autorisé à tout dire ou à tout faire. Il faut pas être dans un statut de, on doit pas gagner, quoi. Il faut pas qu'on gagne. Personne doit gagner. C'est pas un jeu de gagner et perdre. Et donc, on n'est pas là pour mener une bataille. Il faut pas partir gagnant comme il faut pas partir perdant. Mais cette méfiance un peu de se dire que les jeux sont faits. Que tout est encore. Et là, les gens très beaux, c'est ça. Tu vois, quand tu dis les gens qui ont conscience de leur beauté, c'est ils arrivent et de toute façon, on va les trouver beaux. Et donc voilà, il n'y a pas de discussion. C'est de l'autoritarisme. Quand tu es beau et que tu le sais et que tu as décidé que. Des gens qui ne savent pas, il y a ce côté, c'est toi qui dois décider de leur dire, tu vois, d'une certaine façon. Donc c'est quelque chose qu'on trouve aussi, je trouve, dans ton cinéma. Mais est-ce que quand tu diriges, par exemple, en tant que réalisatrice, cette espèce de capacité à dire il faut que je sois forte et que je montre que je suis capable de faire le film, tout en gardant le fait que tout doit être ouvert, qu'il doit y avoir de la fragilité et que je dois être aussi l'ambassadrice de cette fragilité. Oui, moi, en fait, j'ai beaucoup de mal avec cette obligation à être fort ou forte. J'ai beaucoup de mal. Après, je peux comprendre, quand on réalise un film, on est responsable d'une équipe, on est responsable des acteurs, on est responsable du film. Et on est responsable d'un budget, donc il vaut mieux pas trop inquiéter les gens. Et puis les gens sont inquiets si on dévoile beaucoup de notre fragilité. Après, je crois aussi que quand on est entouré, bien entouré, je veux dire, on est aussi être bien entouré. Pour moi, c'est aussi être entouré de gens qui ne considèrent pas la fragilité comme une faiblesse condamnable.
Enfin, je sais pas, il y a quelqu'un, une amie avec qui je travaille beaucoup depuis très longtemps, depuis 32 ans maintenant, qui est Valéria Bruni-Tedeschi. Valéria, elle a cette voix comme ça magnifique, claire, un peu toujours au bord de se casser. Et puis, c'est quelqu'un qui pleure facilement, qu'on peut croire très fragile, qui est très fragile et qui a aussi une force de titan. Mais vraiment, c'est tout ça. Et voilà, c'est-à-dire que les gens qui la voient pleurer et qui se disent « Ouh là 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 là, elle est fragile et elle n'est que fragile », bah, ils passent complètement à côté d'elle, à côté de l'actrice qu'elle est et à côté de la réalisatrice qu'elle est. Donc, mieux vaut être entouré par des gens qui savent que ça va, c'est pas grave, on a le droit, je dis pleurer, mais ça peut être craquer, ça peut être douter, ça peut être... Donc je pense qu'il faut, ouais, que c'est pas mal d'être autorisé, pas seulement par soi-même, par l'entourage, à pas avoir cette c'est pas parce qu'on est chef de poste qu'on doit jouer au chef, c'est faire le chef ou la chef. Il y a une question de Kerdigan Simakouvar qui dit qu'en tant que réalisatrice, comment traitez-vous une agréable surprise lors d'une prise par les acteurs, mais qui ne correspond pas du tout au but initial de la scène? Voulez-vous l'accepter tout de suite et modifier la scène quand vous voyez quelque chose à l'image? Alors ça, j'adore, moi, les surprises et les accidents. Enfin, les accidents dont on parlait tout à l'heure, hein, pas les accidents qui blessent physiquement. Non, ça c'est horrible, mais tout ce qui est inattendu, ça fait pas que je modifie la scène, mais ça m'éclaire la scène d'une manière heureuse, parce que ça la rend vivante. L'inattendu, la surprise rend beaucoup plus vivante les choses. Et du coup, alors, est-ce que c'est décevant quand en fait ça ressemble beaucoup au scénario, quand tu te dis, ah, en fait, dans le fond, oui, c'est bien ce que j'avais imaginé? Je me dis rarement que c'est ce que j'avais imaginé, parce que j'ai l'impression de chercher de chercher à l'écriture, à la préparation du film, des situations, des liens entre les gens, entre les personnages, des sentiments et des états, mais les sentiments, ils peuvent s'exprimer d'un milliard de manières. Donc, je ne me dis pas, tiens, il faudra que ces sentiments s'expriment de telle façon. Non, jamais. Et si une scène, s'il y a une didascalie comme ça pour le confort de lecture ou pour les commissions qui dit il est très en colère ou elle est très en colère, et que la scène est jouée avec une grande douceur et un grand sourire, je suis très contente. J'ai écrit que c'était joué avec colère, donc il faut que ça gueule. Pas du tout. Mais ça veut dire que le scénario change aussi. Alors pendant ce temps, vraiment, tu te dis, si maintenant on joue ça comme ça, la scène suivante, elle a plus de sens qu'on la joue telle que je l'avais écrite. Elle prend un autre sens, mais ça, je crois beaucoup que les acteurs, sans forcément se le formuler, prennent en charge ça, parce que c'est leur corps, c'est leur corps, leur visage, leur voix, leur rythme sont totalement investis dans le film. Alors si une scène a été jouée je ne sais pas, tout en douceur et en souriant, alors qu'il y avait écrit que les personnages se gueulaient dessus, et que la scène suivante, les acteurs, naturellement, tout seuls, ils proposeront tout de suite quelque chose qui va avec la surprise de la scène précédente. Et il faut savoir écouter ça, savoir se laisser offrir ça, quoi, laisser offrir ça au film.
je crois que tu n'as jamais fait de mise en scène pour le théâtre. Tu étais actrice au théâtre, mais tu n'as jamais mis en scène pour le théâtre. Hein. Je crois. Hein. Non, j'ai été actrice une fois hein, pour le théâtre. Pour le théâtre. Parce qu'il y a une question, mais du coup, on va l'adapter un petit peu, qui est de PSK et pas de DSK, mais de PSK, enfin, j'espère. Enfin, ça m'étonnerait que DSK pose cette question. Enfin, bon. Et il y a une différence entre la direction d'acteur devant la caméra et la direction d'acteur sur scène. Pour toi, par rapport à ce que tu dis sur le fait qu'on est dans une prise, on décide de la jouer différemment qu'elle était dans le scénario. Au théâtre, c'est vrai qu'après chaque soir, on peut décider de l'adapter et de se dire « je vais la jouer cette fois-ci plus comme ça, comme ça ». Est-ce que c'est quelque chose, dans le fond, en tant qu'actrice, que tu te sens autorisée sur un plateau ou tu es bon petit soldat en te disant « je vais respecter, en fait, dans le fond, ce qu'on s'était dit avec le metteur en scène au moment de la création et je continue dedans ou tous les soirs, on va essayer de tester autre chose ?» Sur un plateau de cinéma, sur un plateau de théâtre. Ben, j'ai une seule expérience avec un metteur en scène extraordinaire qui s'appelle Alain Françon et qui, lui, nous dit... C'est vraiment un très grand metteur en scène. Mmh. Il nous disait... On a eu de longues, longues semaines de répétition. On a répété, je crois, 9 semaines, 6 jours par semaine... avec moins du temps d'une cigarette pendant la pause, une seule pause. Et il nous disait, il nous parlait beaucoup, lui, du texte et du sens. Et puis après, il disait, après, comment le faire, ça, je ne sais pas, c'est vous, moi, je ne suis pas acteur. Ceci dit, je pense qu'il serait un acteur génial, j'en suis sûre. Mais voilà, il ne montait jamais sur la scène, il restait toujours dans la salle. Et il nous disait, par exemple, je ne saurais pas donner l'exemple ou alors ce serait trop long, mais il nous disait sa pensée de du texte. Et puis après, c'était après comment faire. Alors là, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Et puis quand on proposait quelque chose qui était faux, qui lui paraissait faux, et il avait à chaque fois raison, ça nous paraissait faux aussi, on ne s'arrêtait pas pour se dire c'est faux, simplement, il nous amenait un peu ailleurs. Mais si par exemple, je ne sais pas, il m'arrivait de faire tout un acte, quasiment tout un acte en pleurant, lui, c'est un metteur en scène qui ne parle jamais de psychologie, jamais de sentiments, par contre, il les fait arriver. Enfin, les sentiments, il les fait arriver très fort. Et il m'arrivait de faire tout un acte, c'était le premier acte, en pleurant. C'était plus fort que moi. Il fallait pas du tout. C'était faux, quoi. Mais il me disait pas, ne pleurez pas. Ça passait par autre chose, Il parlait du sens de la pièce, il parlait de... Voilà. Et au lieu, par exemple, j'ai entendu parler d'un metteur en scène avec qui je n'ai pas travaillé, de théâtre toujours, qui s'appelle Dan Gemet, et qui commençait toutes les répétitions. Il mettait en scène pas mal d'acteurs, je crois qu'ils étaient plus de 10. Bah, il devait être 11, je ne sais pas. Bon, parce qu'il commençait toutes les répétitions par une partie de foot. Quand on m'a raconté ça, je me suis dit, mais ouais, c'est vachement bien. On s'envoie la balle, quoi. On s'envoie, on la reçoit. Par rapport à cette histoire, tu vois, par exemple, de pleurer ou de jouer, il y avait une comédienne qui disait, mais vous devriez retirer les réalisateurs ou les réalisatrices, les scénaristes, quand vous écrivez un scénario, bien sûr, vous devez mettre elle pleure ou il pleure parce que c'est utile pour les commissions. Après, pour nous, quand on doit le jouer, il y a une sorte de tension de se dire « Ah putain, c'est la journée où je vais devoir pleurer, etc. » Et donc, ça devient plus du tout une pensée, ça devient un truc mécanique. Vous devriez dire d'autres choses et nous, on verra bien si ça mène le personnage à pleurer ou pas. Elle a absolument raison. Ouais. Et je me souviens d'un film que je réalisais qui s'appelle « Les sentiments » dans lequel joue Jean-Pierre Bacri. Et un jour, au début du tournage, à la fin du scénario, il y avait écrit... il pleure comme un enfant. Mais c'était pour, je sais pas, pour avoir l'aide de la région, pour avoir l'avance sur recette, pour... Pardon. Et Jean-Pierre, au début du tournage, vient vers moi. C'était peut-être le deuxième ou le troisième jour de tournage. Donc, et on allait tourner cette dernière scène à la fin du tournage. Donc, il y avait le temps. Et il vient, il me dit, dis donc, il y a écrit « il pleure comme un enfant, tu comptes pas sur moi pour pleurer comme un enfant ?»
Et il était, et en fait, j'avais compris, d'une part, qu'il avait relu tout le scénario la veille au soir, que peut-être tous les jours, il relisait le scénario, parce qu'on l'avait déjà beaucoup lu en préparation, et que cette phrase écrite lui faisait l'effet qu'elle aurait fait à cette comédienne dont tu parles, où tout à coup, il allait passer tout le tournage, genre, il va y avoir le jour de tournage où je dois pleurer comme un enfant. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dire à un comédien maintenant rit ou maintenant pleure, c'est pas possible. Et écrire ça, enfin lire ça pour un comédien, c'est difficile, sauf s'il sait, comme on sait un peu, enfin, quand on a un tout petit peu d'expérience, on sait que c'est pour les commissions et que si on a affaire à un metteur en scène connecté à nous, il ne va pas nous demander ça, quoi. Mais voilà, pour rassurer Jean-Pierre Bacri, je lui ai dit non, c'était pour le confort de lecture, t'occupe pas, moi qui ai des larmes ou pas, ça m'est égal. Et c'est vrai, je crois que c'est... Enfin, pardon, là, je rentre dans des tas de citations, mais c'est Jeanne Moreau qui disait, il ne s'agit pas de pleurer, il s'agit de faire pleurer. Après, qu'il y ait de l'eau qui coule des yeux ou pas, on s'en fout, franchement. Et d'ailleurs, dans les films, je repère, maintenant, moi, ça m'amuse, je repère les fausses larmes, le menthol. Il faut même se méfier des acteurs qui très souvent veulent pleurer tout le temps en disant non, tu vas pas m'avoir avec le truc de c'est trop simple de pleurer en fait. Tu sais, des fois tu te dis non, la solution de la scène c'est pas de pleurer, c'est autre chose, ça peut pas juste être ça. Ou c'est de. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui pleurent sans larmes. Hein. Oui, absolument. Ouais. Et donc, quand le jour de tournage. Donc, pour ce jour-là, le premier, deuxième ou troisième jour de tournage, je me souviens plus, quand Jean-Pierre m'a dit ça, je lui ai dit que c'était pour le confort de lecture, que peu m'importait qu'il pleure ou pas. Et que si cette scène... Que par contre, il devait avoir une angoisse de cette scène. Il me répond que oui. Et je lui dis, écoute, si tu veux, on se fait un top là maintenant et on fera une prise. Alors que j'ai tendance à faire beaucoup de prises. Il a dit d'accord. Et ça a déplacé la tension, l'angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse, c'était plus « je vais devoir pleurer comme un enfant ». Là, on pleure pas, on est sûr de ne pas pleurer, là, c'est vraiment... L'angoisse, c'était l'enjeu de « il y aura une prise, pas deux, et tout se jouera à ce moment-là ». Et moi, qui lui ai répété à quel point ça m'était égal qu'il y ait des larmes ou pas, pendant tout le tournage, même après, ça devenait des blagues entre nous, On est arrivé pour tourner la scène, on n'a même pas parlé de la scène. Je lui ai rien dit, rien. On a fait la mise en place, on s'est regardé, on n'a pas oublié la promesse d'une prise, enfin le top là, le pari quoi plutôt, d'une prise, et il a pleuré comme un enfant. Pas comme un enfant, il a pleuré. Enfin bon, après, moi, vraiment ça m'aurait été très bien s'il n'avait pas pleuré. C'était pas... En même temps, tu lui as laissé la possibilité de décider. Oui, je ne sais même pas s'il a décidé. Mmh. C'est arrivé. Ouais. On va arriver à la fin de la réunion parce qu'on va laisser après Noémie prendre son train. Il y a encore une question, Léopold, posez-la. Et je la répète. Est-ce que vous pouvez me traduire ? Oui, oui. Vous avez parlé sur la relation entre pouvoir, force et vulnérabilité. Ma question c'est est-ce que vous pensez que le cinéma, dans le cinéma, on peut avoir une relation avec ses propres vulnérabilités qui peut le rendre comme dans une manière artistique de pouvoir et puis comment et si oui comment est-ce qu'on peut retenir how can you keep up this relation même dans la production du film, qui se déroule dans un environnement tellement compétitif.
Alors, je résume, et vous me direz si j'ai raison ou pas, c'est dans ce quand vous avez parlé, tu as parlé de ta vulnérabilité comme une force, quand on fait un film, comment est-ce qu'on peut transformer cette vulnérabilité en forme artistique, et comment est-ce qu'on peut la garder, la protéger, la garder vive dans un processus aussi compétitif, contraignant, coercitif que de la production. Wow. Vous avez 2 heures. Je pense que la vulnérabilité est une force dans le sens où si on se dit que la vulnérabilité, c'est de se laisser être sensible. Il y a ça dans une scène d'un film de Renoir, de Jean Renoir, que j'adore. C'est dans le fleuve. Il y a une scène, si je me souviens bien, je ne l'ai pas revue depuis longtemps, où une adolescente ou une jeune, toute jeune femme quoi, vient vers sa mère et puis s'assoit par terre et pose sa tête sur les genoux de sa mère et demande à sa mère si accoucher fait mal. C'est ça, hein? Oui, si mettre un enfant au monde fait mal. Et la mère répond, ça fait mal, mais ça rend plus sensible. Moi, elle me fait, rien que d'en parler, cette scène me fait pleurer. C'est ça, hein, elle dit, ça fait mal, mais ça rend plus sensible. Donc si on entend vulnérabilité par être le plus sensible possible aux gens, aux autres, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, voilà. Alors, oui, pour moi, c'est un genre de force. Après, encore une fois, il faut être très, très bien entouré pour que ce soit supportable pour les gens. Parce que et puis, comme on a beaucoup tendance à confondre le pouvoir et la puissance, alors que ça peut n'avoir rien à voir. Vraiment rien à voir. C'est vrai que ça peut être parfois difficile de c'est pas la question de la compétitivité. Je trouve pas qu'il y ait tant de compétitivité entre les cinéastes qui se rencontrent dans la vie. Ça, je crois que j'ai jamais ressenti ça. Il y a de la compétitivité parce qu'il y a des concours à passer, les concours des commissions. Là, oui, forcément, c'est des concours, donc il y a de la compétition. Mais sinon, j'ai jamais senti, jamais vraiment, hein, ni entre des... Bon, alors peut-être que j'ai eu une chance exceptionnelle de ne pas avoir senti ça, mais j'ai jamais senti de comédiens, de comédiennes qui se tirent dans les pattes, qui sont en rivalité. J'ai toujours senti beaucoup, beaucoup de bienveillance chez les comédiens et les comédiennes entre eux. J'ai jamais senti vraiment de jalousie, de rivalité, ni entre des réalisateurs et des réalisatrices entre elles. Après, c'est plus un rapport à... je sais pas comment dire. Certes, dès qu'il y a de l'argent en jeu, ça réveille des choses de pouvoir. Et dès qu'il y a du pouvoir en jeu, ça réveille tout ce que vous savez. Pardon, dis-le toi. Non, rien. Ben non, moi je dis rien. Mais d'autant plus que... Oui, enfin... Merci beaucoup. D'autant plus que quoi? Non, rien, non, mais je me dis, parce que tu as raison de dire ça, en même temps, tu es en train de monter un film, de préparer un film, c'est sur des moments où on est, évidemment, je suis d'accord, c'est pas une concurrence, mais c'est des moments, c'est vrai, où il y a une vraie forme de violence au quotidien, malgré tout, qui n'est pas la violence de la concurrence, mais qui est plus la violence de tout ce qu'on entend, même quand c'est des oui, c'est des oui mais, quand il y a des non. En fait, je trouve que comme réalisatrice ou réalisateur, on s'habitue quand même tous les jours à recevoir un peu de crotte sur la tête. C'est juste la grosseur de la crotte qui tombe dessus qui est différente, tu vois. Mais habituellement, le quotidien, c'est quand même une très grande violence tous les jours, de refus, de demi-acceptation, de compromis qu'il faut faire. Et je trouve qu'il faut être, par rapport à ce que vous dites, Léopold, c'est juste qu'il faut essayer de garder une foi dans cette authenticité
et de se rappeler que c'est ça qu'il faut qu'on garde malgré tout le truc qui tombe en fait autour, oui. De se dire c'est de oui c'est... bien sûr c'est violent, mmh. C'est violent particulièrement quand on est en recherche de financement et en préparation. Et puis après, il y a aussi des moments violents sur le, enfin violents, durs, parce que un peu à chaque étape. Mais si on arrive à se dire, tiens, ça, c'est un des noyaux durs du film. Alors que ce soit, alors pour moi, en ce moment, le noyau dur, c'est les répétitions. J'ai beaucoup de mal à faire entendre ça au producteur. Mais ça peut être tel acteur ou telle actrice à laquelle ou auquel on tient absolument et dont on nous dit oui, mais enfin, t'es sûr, parce qu'en fait, peut-être qu'on aurait plus de financement avec tel autre. Tout. Enfin, en fait, il faut hiérarchiser les. Pas perdre de vue l'essentiel. Et hiérarchiser les priorités, nos priorités intimes. Parce que de toute façon, il y a des compromis à faire. Alors peut-être moins quand on fait des courts-métrages, quand même. J'espère. Même il y en a sûr. Toujours un peu. Ouais, mais... ouais, ouais. Et se dire, voilà, je ferai les compromis qui me coûteront pas le film, quoi, l'essence du film. Et sentir là où elle est. Ça peut être le choix d'une actrice, le choix d'un acteur, ça peut être un nombre de jours de tournage, ça peut être des répétitions, là en l'occurrence, pour moi, ça peut être plein de choses. Ça peut être le choix d'un chef-op, le choix d'un chef d'écho, un temps de mixage, un temps de montage. Voilà, voir là où c'est vraiment le plus important pour vous, pour le film. Et là où c'est un peu... Et là, vraiment, il ne faut pas lâcher. Il faut rester comme ça. Mais comme on ne peut pas s'accrocher absolument à tout, savoir là où on peut dire, bon, ok. D'accord, deux jours de tournage de moins, d'accord. Ou ces deux jours de tournage de moins, vraiment, vont planter le film. Voilà. Et, ou ça peut être aussi... tout est possible, quoi. Ça peut être aussi changer d'acteur, si ce n'est pas... l'essence du film et qu'on nous demande de changer d'acteur. Voilà. Merci beaucoup. On va devoir arrêter là pour que tu puisses aller prendre ton train. Merci infiniment d'être venu parce que c'est quand même extrêmement compliqué de venir, de passer une frontière aujourd'hui. C'est des doubles tests dans le nez, voilà, le matin, terrible. Merci beaucoup pour tout ça. On peut t'applaudir. Merci à vous. Et je remercie vraiment aussi, évidemment, Jules Pourchet qui a retransmis cette discussion depuis le City Club ici à Puy, à Lausanne. Merci beaucoup au City Club de nous avoir invités. Merci Nicolas qui est dans la salle. Et puis je remercie aussi Yasmine Bazic qui s'occupe de la coordination du master entre la RED et l'ECAL et qui a organisé cette venue. Voilà, et bonne suite de festival pour ceux qui sont à Clermont-Ferrand virtuel, hein, où que vous soyez, Clermont-Ferrand est partout maintenant. Et puis on va surtout bientôt se réaccueillir pour un atelier plus long. Comme c'est le cas, puisque Noémie est une habituée. Merci beaucoup à toutes et tous et bon week-end. Merci Lionel. Donc voilà, l'atelier 2021 c'est terminé, mais avant de vous quitter, on tenait à remercier toutes les écoles participantes, l'équipe de Nexus 6, l'organisation du festival, et moi je tenais à remercier particulièrement l'équipe de l'atelier 2021, donc Romain, Julien, Jacques, Jérôme, Delphine, merci beaucoup pour votre travail cette semaine. Et on vous retrouve l'année prochaine.